Merci, chers les soignants, vous allez voir ça plus tard. Bonjour, je m'appelle Paul, très content d'être là, je viens pas d'ici, je viens de l'Angleterre. Est-ce qu'il y a des Anglais dans la salle? Yes! Fucking Brexit! Fuck. Tellement content, je suis vraiment content, je m'appelle Paul, elle a dit j'habite en France, et pour habiter en France, il faut parler le français, right? Mais c'est fucking compliqué la langue française, parce que vous faites des choses avec la langue française exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français. Right? Like le fucking verlan. What is this? On va switcher des mots comme ça pour aucune raison? Truc de ouf? No. Truc de ouf, je connaissais pas ouf. Moi je pensais que c'était un synonyme pour génial. Ouais, c'est génial, c'est top, c'est ouf. No, Paul, t'es con en fait. Ouf, c'est le, tu prends le mot ouf, et en fait, le mot ouf, c'est le mot fou, mais à l'envers. Fuck off. Trop compliqué, je connaissais pas. Je connaissais pas le système, on m'a dit aussi le verlan, en fait. Le verlan, le mot verlan, c'est le mot l'envers, à l'envers aussi. Pff, level 2 unlocked. What is this? Je comprenais pas. Je savais pas apprendre mes passages. Un ami à moi, il m'a dit, ouais, Paul, j'aime bien ton passage. J'ai une idée pour toi de mise en scène. En fait, la prochaine fois que tu joues ton passage, essaye de le jouer comme as. Je comprenais pas tout de suite, donc j'ai checké sur Internet. S'il y a un truc qu'il faut pas taper dans Google, c'est les deux mots ensemble, comme as. C'est pas du verlan. You know it well, you dirty bastard. Donc j'ai commencé à comprendre le verlan. Ok, il faut switcher des mots, mais ça s'arrête pas là. Parce qu'il y a le double verlan, des mots qui sont doublement verlanisés. Right? What the fuck is this? Une fois que le mot verlan, il rentre dans le dictionnaire officiel, vous recommencez le processus de verlanisation? Pff, level 3 unlocked! Jesus! Le mot femme, par exemple, le mot femme en verlan normal, c'est quoi? Meuf, right? Mais meuf est rentrée dans le dictionnaire maintenant, donc les gens, ils disent quoi? Femme. Femme is not a fucking word, c'est pas un mot. C'est juste des bruits qui sortent. Femme. Femme. On dirait un anglais qui essaye de lire le mot femme, mais qui sait pas comment. Femme. Femme. Pareil avec le mot arabe, même transformation. Arabe est devenu beurre. Beurre est rentré dans le dictionnaire. Maintenant, les Français, ils disent quoi? Terroriste. It's not fucking funny. Langue de merde. Et en plus, le verlan, ça existe avec des mots anglais. J'ai entendu quelqu'un à Paris qui a dit « Hey, le cobla est parti en deux spi. » Oh, le black est parti en speed. Fuck you, it's my language. Bon, écoutez, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde parce que c'est hyper difficile à maintenir pendant 6 minutes. Ouais, je suis un connard, je suis désolé. Mais je me sens obligé de commencer avec un faux accent de merde parce que les francophones, vous me croyez pas quand je dis que je suis anglais avec cet accent-là. Parce que c'est vrai, normalement, les anglophones, quand on parle une autre langue, on parle vraiment comme des couilles. On est vraiment là, ouais, bonsoir, bonsoir, comment ça va, voulez-vous coucher, enchanté? Et donc les francophones me croient pas, et je comprends, mais je suis vraiment anglais en fait, à moitié. Ma mère, elle est irlandaise, mon père, il est anglais, moi, je suis né là-bas. Donc je suis vraiment, vraiment 100% alcoolique. C'est juste, j'ai pas d'accent parce que j'ai vécu en France pendant 5 ans quand j'étais tout petit, et quand on est tout petit, on a un peu une éponge au niveau de l'accent. Donc du coup, j'ai pas trop d'accent quand je parle français, mais je fais énormément de fautes parce que la langue française, c'est une langue de merde. Parce que même vous, vous savez pas la parler correctement. Parce que je vous vois, les francophones, vous corriger entre vous, c'est incroyable! Si pour vous, la langue, elle est compliquée, pour nous, elle est impossible à gérer à 100%. Donc moi, je fais des fautes quand je parle français, mais je fais pas les mêmes fautes que vous, je fais les fautes d'anglophones. Et en fait, des fautes d'anglophones sans l'accent anglophone, ça passe pas. Et je me suis rendu compte que les francophones, en fait, pensent pas que je suis un anglais qui parle très bien français. Ils pensent que je suis un français, mais con. Et les gens, ils buguent devant moi, ils font des têtes bizarres quand je fais des fautes de base. Genre, je vais dire une croissant, ils vont faire... Ils comprennent pas pourquoi.
Je passe pour un con et ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment parce que j'ai vraiment essayé de faire des efforts pour apprendre le français. Et parce que vivre dans un pays quand on est tout petit, ça suffit pas. Il faut continuer à apprendre, à s'améliorer. Et j'ai décidé de faire des études à l'université en français. Et quand on fait des études en Angleterre comme ça, il faut partir pendant un an, s'améliorer dans un pays francophone. Comme j'avais déjà vécu un peu en France, je voulais découvrir autre chose. Donc j'ai décidé pendant un an de m'améliorer en français au Québec. Personne m'avait prévenu que c'est pas là où il faut s'améliorer en français. Et je me suis rendu compte très très vite que partir au Québec s'améliorer en français, c'est comme partir en Angleterre s'améliorer en cuisine. On a les mêmes ingrédients, mais on fait n'importe quoi avec. Et les Québécois font n'importe quoi avec la langue française. Ça m'a pris 3 mois à comprendre l'accent, les expressions. Et à l'époque, pour financer mes études, j'ai décidé de prendre un boulot temps partiel chez Apple, dans les Apple Store. Et mon poste chez Apple, c'était le responsable des clients en colère. Et les Québécois en colère, j'étais pas du tout prêt pour ça! Premier jour, j'arrive, il y a un mec qui arrive, il est énervé, je vois dans ses yeux qu'il est énervé. Il vient avec un iPod dans sa main, il vient me voir et il me fait « Ben lala !» Tout de suite, j'étais perdu. Aucune idée. Fait ben lala, cette affaire lala, ça marche-tu chez Windows, calice? Parce que tabarnak, j'ai pogné cette marque lala, ça marche pas en tout. Toi là, tu vas m'arranger ça tout de suite, OK? Désolé, monsieur. En fait, je viens pas d'ici. C'est pour ça que mon français, c'est de la merde. Désolé, voulez-vous coucher? Enchanté! Guys, thank you very much, mon frère.